Bienvenue au module 1, Principaux concepts. Dans ce module, nous allons voir des notions sur l'équité, la diversité, l'inclusion, l'identité, la société, parentalité et finalement la localisation sociale et privilèges. Tout d'abord, mettons au clair la différence qui existe entre les notions d'égalité et d'équité. Nous voulons attirer votre attention à l'image présentée à l'écran. L'égalité correspond à des situations identiques entre individus face aux droits qu'ils peuvent revendiquer, face aux conditions d'existence et aux ressources rares auxquelles ils peuvent prétendre. Par exemple, le vote, l'emploi, le prestige social et d'autres conditions. Trois formes de positions sociales peuvent être distinguées. Ce sont, en premier lieu, des positions face aux droits. Chaque individu a les mêmes droits. Se voit aussi appliquer les mêmes obligations, comme vos obligations de payer vos impôts. On parle d'égalité des droits. En second lieu, l'égalité réelle, de situation, de conditions, de place ou de résultat entre individus, est une situation sociale dans laquelle ces individus possèdent les mêmes conditions de vie, les mêmes ressources économiques, les mêmes ressources sociales ou culturelles. Enfin, en troisième lieu, dans une société différenciée comme la nôtre, avoir les mêmes chances d'accès aux différentes positions sociales est aussi un principe d'égalité qu'on appelle égalité des chances. L'équité renvoie à l'idée de justice. Il faut juger et traiter de manière égale des situations identiques, mais accorder des droits spécifiques aux groupes sociaux dont la situation est jugée désavantageuse. Elle renvoie ainsi à trois principes consécutifs. Le premier est un principe d'égale liberté. Toute personne a un droit égal aux libertés fondamentales, pourvu que cela soit compatible avec la liberté de tous. Cela signifie que chacun aura les mêmes droits et devoirs de base. Chacun souhaite les mêmes droits fondamentaux, soit la liberté de circulation, d'expression, de propriété et bien plus. Ces libertés de base ne peuvent être limitées. Le second est un principe d'égalité des chances. Les personnes ayant les mêmes talents doivent avoir la possibilité d'accéder à des positions sociales identiques, quelle que soit l'origine sociale, géographique ou le sexe d'un individu. La société doit lui garantir la possibilité d'accéder au statut de son choix, ce qui ne veut pas dire que tout le monde y accédera. Le troisième est un principe de différence. Les membres les moins avantagés de la société peuvent être traités différemment à partir du moment où cela reste à leur bénéfice et au bénéfice de la collectivité tout entière. C'est ce principe qui permet d'associer la notion d'équité aux politiques d'intervention sociale et économique, comme les politiques de discrimination positive. On peut retenir deux implications de ces principes. Premièrement, on peut choisir d'avantager ou désavantager certains groupes sociaux par des politiques spécifiques de discrimination positive, telles que le refus de la simple égalité des droits. Ceci permettrait par exemple de maintenir une protection sociale, un accès au logement ou un accès à un emploi. Deuxièmement, on peut aussi rétablir les chances d'accès de tous à des fonctions situées en haut des hiérarchies sociales. Bref, l'équité revient à traiter différemment les gens différents de manière à compenser les inégalités de position initiales pour aller vers plus d'égalité réelle. L'équité se réfère au principe de justice sociale en vigueur dans la société. Maintenant, parlons du thème de la diversité. Ce concept, il y a lieu de le placer dans un contexte géopolitique puisqu'il réfère à des situations particulières dans un contexte linguistique anglo-saxon et de ce quoi nord-américain versus un contexte linguistique francophone et européen. Pour être plus clair, le mot diversité, au Canada à une certaine époque, référait à des groupes de minorités visibles par rapport aux groupes dominants blancs de descendance européenne. Mais aujourd'hui, il faut inclure la diversité de sexe, de genre, d'ethnie et de religion pour n'en citer que celle-là. Abordons à présent le thème de l'inclusion. La notion d'inclusion a été utilisée par Niklas Luhmann,
sociologue allemand qui s'est spécialisé dans l'administration publique et les systèmes sociaux. Il est surtout reconnu pour avoir développé la théorie des systèmes sociaux basée sur une approche transdisciplinaire qui permet d'analyser à partir de lentilles, entre autres philosophiques, linguistiques et juridiques. L'approche inclusive s'inscrit dans une perspective qui cherche à valider les expériences de tout individu au sein d'une société, mais surtout qui fera en sorte qu'aucune personne, quelles que soient ses caractéristiques, n'expérimente l'exclusion sociale. L'approche inclusive est importante dans tous les domaines des relations au sein d'une société, que ce soit dans la famille, dans les écoles et tous les autres systèmes ou institutions qui existent au sein des sociétés. Parlons maintenant de l'identité, ton nom, ton histoire, ta culture. Étant donné qu'à travers le monde, le nom donné à un enfant par ses parents fait partie du processus identitaire, de plus, dans certaines zones du globe, choisir le nom d'un enfant revient de certaines pratiques culturelles bien spécifiques. Ceci étant dit, les gens qui immigrent au Canada viennent d'horizons divers et leur nom charrie cet aspect indéniable de culture et d'identité. Toutefois, nous reconnaissons qu'il existe maintenant de personnes qui ne se sentent pas à l'aise en grandissant avec le nom qui leur a été donné. Dans certains pays, par exemple, le processus de se renommer est possible et c'est une pratique tout à fait légale. Nous avons deux questions de réflexion pour vous. D'abord, que savez-vous de votre nom et jusqu'où vous pouvez remonter dans l'arbre généalogique? Ensuite, en tant que parent, les habiletés parentales que vous avez, où les avez-vous apprises? Notre prochain thème sera la société et parentalité. Nous savons pertinemment que toute société est constituée de familles et que dans chaque famille, il y a des parents. Aujourd'hui, les familles ont des formes multiples. Famille nucléaire, papa, maman, famille monoparentale, famille recomposée, famille de même sexe, famille adoptive et encore plus. Nos sociétés reposent sur des valeurs et des pratiques. Les habiletés parentales sont des façons de faire qui renvoient au comment faire des parents dans leurs tâches quotidiennes pour prendre soin, éduquer et veiller au bien-être de leur enfant. Vous direz que c'est un rôle fondamental, puisqu'il y va de l'avenir de votre enfant. Force est de constater qu'il n'y a pas d'école formelle pour apprendre à devenir parent. Du moins, cette école, quand on l'y intègre, on ne se rend même pas compte. Toutefois, on enregistre le savoir-faire tout le long de notre croissance, en tant qu'enfant, jusqu'au moment où on décide de devenir parent. C'est au moment, lorsqu'on accueille notre première ou premier enfant, qu'on en fait appel à ses habiletés. On se réfère à ce qu'on se rappelle que nos parents faisaient soit avec soi ou sa fratrie, si on en a, ou encore on se rappelle ce que des parentés, des voisins faisaient avec leurs propres enfants. Les familles vivent dans des environnements ou des endroits géographiques donnés et il y a une influence sur la famille. Pour vous qui suivez cette formation, pensez au processus que vous avez suivi avant de devenir parent. Posez-vous ces questions suivantes. Depuis quand ai-je envie de devenir parent? Ai-je pris le temps de discuter avec mon ou ma partenaire de vie du rôle et de la responsabilité qu'on aura envers notre enfant ou nos enfants? Allons découvrir le thème de la localisation sociale et privilèges et pouvoirs. Tout d'abord, cette illustration se veut être une description des éléments qui font en sorte qu'on soit proche du centre du pouvoir. Le plus qu'on identifie des éléments qui nous gardent dans le cercle, le plus près du centre et le plus de privilèges que nous en aurons. Commençons en haut à gauche du rectangle vide et nous allons de la gauche vers la droite. Occupation. On réfère à une occupation dans la société. Emploi ou rôle dans la collectivité. Par exemple, le maire, l'avocat, la directrice d'école, l'employé, etc. Statut d'immigration. Citoyen canadien, immigrant reçu, réfugié ou autre statut. Éducation.
aucune étude ou diplômé d'études primaires, secondaires, universitaires, collégiales. Religion, entre autres, chrétien, musulman, sikh, hindou, judaïsme, orthodoxe, athée, aucune religion ou aucune dénomination. Race, blanche, première nation, noire, arabe, asiatique et autres. Parlons de ce que nous devons comprendre de cette image. Le plus qu'on a des caractéristiques qui se retrouvent au centre et non à l'extérieur, le plus qu'on se rapproche du pouvoir et le plus qu'on aura accès aux privilèges avec le centre du pouvoir. Par exemple, si on prend la société canadienne qui est estimée à plus de 35 millions d'habitants, citoyens majoritairement de descendance européenne, les autochtones sont estimés à plus de 2 millions de personnes, la communauté noire estimée à 1,2 million, dont la moitié se trouve en Ontario et la majeure partie dans la région de Toronto. Alors, si tu t'identifies comme une personne de race blanche descendance européenne, le plus de privilèges que tu auras dans la société canadienne. Par exemple, avec le passeport canadien, vous pouvez voyager n'importe où dans le monde. Par contre, quelqu'un qui n'a pas la nationalité canadienne et qui vient d'un pays du tiers-monde ne pourra pas voyager aussi aisément. Maintenant, comme parent qui vit dans la société canadienne et qui s'identifie suivant votre origine ethnique, votre formation académique, votre lieu de résidence, centre, urbain ou milieu rural, il y a des privilèges qui viennent avec tous ces facteurs. Vous voici comme parent qui doit assumer votre responsabilité comme pourvoyeur de soins à l'endroit de votre enfant qui fréquente les institutions scolaires de votre communauté. Avec cette responsabilité vient aussi un devoir, un pouvoir que nous avons en tant que parents. Dès la naissance, on rentre dans cette dynamique de pouvoir avec nos enfants. C'est de là que commence un certain apprentissage avec vous comme autorité parentale. Ce pouvoir que nous détenons en tant que parents, nous avons le choix de l'exercer sur nos enfants ou avec nos enfants. Le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on peut dire « Quel est le problème ? À qui la faute ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le solutionner ?» Comme parent, pour exercer votre pouvoir parental, vous allez devoir tenir compte du stade de développement de vos enfants. Cet apprentissage, à savoir comment interagir avec quelqu'un qui détient le pouvoir, commence à la maison, va se poursuivre à l'extérieur de la famille et dans d'autres institutions qui existent dans la société. La première institution, c'est l'école, où l'enseignant ou l'enseignante sera en position d'autorité comme adulte et professionnel qui aurait la responsabilité d'être bienveillante ou bienveillant à l'endroit de ses élèves. L'enseignant aura créé une atmosphère où vos enfants vont être en mesure de s'épanouir, d'apprendre et de s'exprimer. Et comme je l'ai dit plus tôt, la base de tout cela commence à la maison, dans la façon qu'on utilise ce pouvoir que nous avons comme parents. Dans le contexte du cours ici, réitérons qu'il y a deux façons d'exercer le pouvoir. Le pouvoir sur et le pouvoir avec. Le thème pouvoir sur renvoie au processus de décision qui nous revient en tant que parents de facto envers nos enfants. Vous allez remarquer que la nature a une façon de faire les choses. Nos enfants, pour s'ajuster à l'environnement où ils grandissent, ils vont commencer à tester les limites qui sont autour. Par curiosité ou élan naturel, dès leur premier mois de croissance. Au fur et à mesure qu'ils se développent, notre approche avec le pouvoir que nous détenons à leur endroit changera en fonction de leurs habiletés à nous donner de la rétroaction et par conséquent, leur participation dans la prise de décision finale. C'est à partir de ce moment que commence le pouvoir avec. C'est un apprentissage dans lequel, comme parents, on commence à inculquer à nos enfants une certaine dose de leadership. Maintenant, nous, comme individus, nous allons être en mesure de faire tout ceci en fonction de plusieurs critères
qui vont favoriser nos propres habiletés à développer les aptitudes qui nous permettront à bien remplir ce rôle et à bien utiliser ce pouvoir que nous détenons. Cela dépendra de notre localisation sociale et de ses privilèges. Merci pour l'attention que vous avez accordée. Nous espérons que vous avez retenu les concepts clés sur l'équité, la diversité, l'inclusion, l'identité, la société et parentalité, et finalement, la localisation sociale et privilèges. On se voit dans le prochain module portant sur l'oppression, la discrimination, l'intelligence émotionnelle, les biais conscients et inconscients.